Vous venez de quelle école? Yardais. Yardais? Je connais pas, connais le bataillon, j'ai jamais entendu. Bon, c'est pour le fameux travail de fin d'études, là. Attends, ça a duré combien de temps, 7-8 minutes? Pas plus. Bon, on va y aller, hein. Je suis prêt? Vous dites pas action? Défieu, hé! Oh! Voilà, je me présente en deux mots, je suis Claudie Faucan, je suis photographe semi-prof... Ouais, on va couper, cut. Bon, pas, en fait, je dis ça parce que je regardais ton objectif. C'est du digital, hein, des 35 mm. En fait, je suis photographe de... Je fais des photos de photos de charme, en somme. Mais c'est un peu hors contexte. On va recommencer directement? Voilà, ben, je me présente en deux mots. Je suis Claudie Faucan, monsieur Faucan plus exactement. Je suis directeur and sales marketing manager des abattoirs d'Anderlecht. Vous êtes ici dans la salle de marché. Quand les bêtes arrivent, elles sont 150 dans un camion. Pourquoi 150? De façon à ne pas trébucher durant le transport. Une fois qu'elles arrivent ici, c'est pas compliqué. Elles suivent la ligne blanche et on les dirige inéluctablement, elles sont deux par deux, vers la zone d'abattage. C'est peut-être la partie la moins marrante, quoique. Et là, bon, ben... On n'a jamais dû tirer deux fois, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, enfin, moi, c'est mon petit péché mignon. Une fois que la bête est décédée, elle se dirige, enfin on la dirige étant donné qu'elle ne marche plus. Écoute, Alfred, tu commences à faire chier avec ta torche, ça fait depuis le début que tu m'emmènes. Tu m'as déjà frôlé la gueule là-bas. Ça va suffire maintenant, t'as du lac ça à faire, toi. Excusez, hein, je suis arrivé nerveux, je sais bien, tout est pas de votre faute, hein, mais j'ai l'impression qu'on m'a donné les deux clous de l'IRD, alors hein, le fond du panier. Hein. Et la fricadelle, comment on fait ça? La fricadelle? J'en ai venir. Chaque chose arrive en son temps, hein. Va pas me dire toi ce que je dois raconter. Hein. Bon, la fricadelle, comment ça se passe une fricadelle, concrètement? Ça va deux choses. Faut savoir que sur une bête de 700 kg, il y a 350 kg qui sont considérés comme matière ou reste impropre à la consommation. Je veux dire, par là, vous verrez jamais dans une boucherie des narines, un scrotum, un anus ou des intestins, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez qu'on fait avec les intestins? Les intestins, ce n'est jamais que de l'air digéré, hein? On appelle ça plus communément de la merde, pour votre information. Et qu'est-ce qu'on fait? On racle tout ça, on tape tout dans des grandes bassines, nous autres on appelle ça des piscines. Puis on rajoute des produits. Les produits c'est quoi? C'est des anxiolytiques, des antibiotiques, des colorants, des... Ben, bon, ça c'est notre petite popote, c'est le pot belge comme on dit. Une fois que cette matière à nouveau l'aspect de la viande, on l'enfile dans des boyaux, et puis ça part dans les friteries, dans le commerce entre guillemets. Ça devient des fricardelles, des merguez... Ça va, Polak? Fais-moi un grand paquet de frites avec sauce, s'il te plaît. Avec quelle sauce? Je sais pas, moi, sauce Dallas. Mets-moi la sauce à part. Et trois boulettes avec. Omar, la sauce à part ou sur les frites? Sur les boulettes! Et tu mets 6-7 fricadelles aussi! 7 fricadelles avec. Teddy bien, s'il vous plaît, dit vedette. Comment il est à l'aise, lui? T'es aveugle ou quoi? J'étais juste en train de commander des biquilles. Tu joues avec ta vie, toi. Sorry. Excuse-moi, j'avais vu. Je croyais que tu. Qu'est-ce qu'il a, ce fils de pute, là? Viens! Calme-toi! Tipi, viens, allez, s'excuse même pas, il me dépasse! T'es poli ou t'es pas poli, toi? Hé! Hey. Arrête! Pauvre type! T'es pas en classe verte, toi? Ça me semble bien que c'était là, hein? Avec ton vieux accent de chanteur de rap, là, hip-hop! Et cette manie que tu as de cracher partout comme en lama! C'est excessivement énervant! Salut, Steph, ça va? Salut! Ah. Vous connaissez? Oui, on se connaît. Et c'est mon pote. Et tu n'y parles autrement. Excuse-toi. Excuse-toi tout de suite! Excuse. Une bière? Non, je bois pas de bière. C'est quoi ça? C'est des fricadelles. T'en veux? Tu sais ce qu'il y a dans une fricadelle? Hein? J'ai vu un reportage là-dessus. De toute façon, il n'y a pas de porc là-dedans. Ah, ça, du porc, c'est sûr, il n'y en a pas. Mais tu donnes ça à un chien, elle ne bouffe pas non plus. Viens de pas chanter.